Cette semaine, à Feu Doux se met dans l'ambiance des fêtes de fin d'année avec un menu spécial Noël préparé par le chef étoilé Patrick Fréchin. Depuis bientôt 2 ans, Patrick s'est installé à quelques pas de l'une des plus belles places d'Europe, la place Stanislas. Ce passionné a toujours suivi son cœur et son instinct, une philosophie qui lui réussit puisqu'il décroche à 2 reprises une étoile au guide Michelin, dont la dernière pour son restaurant La Transparence en 2017. Nous lui avons donc confié le soin d'élaborer notre menu spécial Noël et il s'est fait plaisir, enfin il nous a surtout fait plaisir. En entrée, c'est truffe, foie gras et Saint-Jacques. Pour le plat, il est parti sur du riz de veau et de la truffe. Et en dessert, il marie la noix de coco, l'ananas et la banane. J'ai vraiment hâte de découvrir son menu, enfin surtout de le goûter. Allez, on y va. Donc en entrée, t'es parti sur quoi? Parce que je vois donc Saint-Jacques, truffe et foie gras. Foie gras. Wow. Donc une compression de foie gras. D'accord. Et Saint-Jacques en vinaigrette de truffe. Super. Donc on commence par quoi? On commence par la terrine de foie gras, mais d'accord. Bon, elle a été faite à l'avance. Donc voilà, l'athlète préparé, ça donne ça. Voilà. Hein, faut quand même 48 heures pour qu'elle soit maturée. D'accord. Alors quand tu dis compression? Bah, c'est-à-dire que c'est tout le foie qui est pressé. D'accord. Pour éviter, pour enlever toute la graisse, mm-hmm. parce qu'il y a 30% de graisse à la cuisson. Cette graisse, on l'enlève, on presse la terrine avec une. Nous, on a des petites planches exprès. D'accord. Et puis, tu as toute la graisse. Et il y a toute la graisse qui remonte et on laisse au frais comme ça et on retire la graisse au lendemain. D'accord. Donc, pour faire un foie gras comme ça, tu pars d'un foie gras, tu quoi? On part tu dénerves. D'un lobe, on déveine. Parce qu'il n'y a pas de nerf. Ah, pardon. On déveine. On dénerve. Ok, on déveine. On déveine, on sale, oh, on d'accord. poivre. Ok. Et c'est tout. Moi, je mets que ça. Mm. Sel, poivre, je ne mets pas d'alcool. Je ne fais pas maturer, je ne fais pas mariner. D'accord. Je sale et je cuis directement au bain-marie, au four à 100 degrés pendant 17 minutes. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, on va couper le foie gras. Ouais. Donc, je te laisse le couper. Donc, on chauffe légèrement le couteau. Mm-hmm. Et ensuite, je le coupe. Donc là, on est sur une belle entrée. Là, tu nous as associé 3 beaux produits. Trois beaux produits. Ouais. C'est une entrée assez simple à faire. Oui, finalement, le gros du travail, c'est principalement ta terrine. C'est la terrine. Mmh. Et ensuite, ah d'accord, donc tu le coupes dans le sens là. Voilà. Ok. Les Saint-Jacques, voilà. Et donc, elles seront crues, les Saint-Jacques? Alors, les Saint-Jacques vont être marinées au sel et au poivre. Ah oui, d'accord. Tu les fais mariner et ensuite, tu les mettras dans ton cœur, finalement, de terrine. Exactement. Donc là, on est sur de la bête Saint-Jacques. C'est de la Saint-Jacques de quoi? C'est de la Saint-Jacques Erquy. D'accord. C'est une Saint-Jacques sans corail. Mm-hmm. Nous, on achète les Saint-Jacques coquillés, c'est-à-dire avec on les ouvre. Ouais, tu fais toute ta préparation. On fait tout nous-mêmes de A jusqu'à Z. Donc, on les assaisonne? On les assaisonne, sel, poivre. Est-ce que tu aimes bien comme ça associer 3 produits nobles ou tu es plutôt, bon là on est sur un repas plutôt festif, donc tu t'es dit en gros je mets le paquet, ou tu es plutôt à te dire là j'ai du foie gras mais je vais l'associer à quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus, qu'on trouve plus facilement quoi, de moins noble. C'est quoi ta philosophie à ce niveau-là? C'est soit le produit dans la saison. D'accord. On peut l'associer, par exemple, le foie gras avec des choses très simples, telles que les betteraves. Mm-hmm. On est dans les dernières betteraves. Mm-hmm. Donc, ça peut être foie gras betterave. Et puis après, c'est un montage où ça peut être du foie gras chocolat, des choses très improbables. Mm-hmm. On pourrait penser que ça soit très improbable, mais ça fonctionne très bien, très, très bien. Foie gras chocolat. D'accord. Ou des choses un peu plus terre-mer. Mm. Hein, ça peut être foie gras langoustine. D'accord. Par exemple, ou foie gras homard, ça fonctionne aussi. Donc ça veut dire que tu ne te donnes aucune règle en fait. Exactement. Tu restes juste dans la saison. Dans la saison et surtout dans le goût aussi. Mm. Il faut que ça soit bon, goûteux. Mm. Et une fois que c'est bon, goûteux et que ça soit bien présenté, à mon avis, c'est un plat réussi. Mm. Donc un petit coup de poivre. Est-ce que le montage, comme on va le faire, je peux le préparer d'avance? Donc, c'est-à-dire, j'ai ma terrine au départ et je prépare tout ça, on va le reposer. Je reconstitue. Oui. Et c'est mieux, à la limite, de le laisser en gros encore une nuit, le temps que ça prenne bien. Et après, je le sers le lendemain. Quoi. On peut s'en servir le lendemain. Hein. D'accord. Ça sera pas, c'est même mieux ou non? Tu peux même. C'est même mieux parce que la Saint-Jacques va être complètement cuit par le sel. D'accord.
Elle sera beaucoup plus fondante. Ouais. D'accord. On peut, c'est peut-être même mieux de laisser reposer une nuit. Ok. Donc là, tu disposes. C'est Saint-Jacques. Ouais, donc tu as eu pareil, hein, tu t'es dit que tu les coupais en deux. Il ne faut pas les couper plus fins. Non, parce que ce qu'on veut, c'est des strates. Une strate de Saint-Jacques, une strate de foie gras. Mmh. Ouais, puis il faut quand même qu'il y ait de la matière. Et la truffe, tu le mets à quel moment? Alors, il y a deux façons. C'est soit on met des lamelles de truffe par-dessus, soit on met une vinaigrette de truffe. D'accord. Moi, je préfère faire une vinaigrette de truffe parce que déjà, on arrive à mettre plus facilement. Et puis, au niveau de la coupe, c'est plus sympa. D'accord. Là, on va le mettre au frais et on va pouvoir réaliser la vinaigrette aux truffes. Ça marche. Donc, la vinaigrette. La vinaigrette. Alors, simple. D'accord. Du vinaigre, du sel, du poivre, de l'huile. D'accord. L'huile de noix. La dose, c'est une cuillère de vinaigre pour 3 cuillères d'huile. Ok. Un camion de vinaigre, 3 camions d'huile. Ok, c'est noté. Vinaigrette, quoi. Vinaigrette. Okay. Et donc, pourquoi t'es parti justement sur un vinaigre blanc? Bah parce que au niveau de la couleur, je trouve que c'est plus sympa. D'accord. Donc, c'est uniquement visuel. C'est visuel, oui. D'accord. Ouais. Après, si on n'a pas de vinaigre blanc, là, c'est du balsamique. Oui. Si on a du vinaigre classique, ça marche aussi. D'accord. Ok. Et justement, le sel, toujours dans le vinaigre, jamais dans l'huile. D'accord. Le poivre. Et tu es parti sur de l'huile de noix, ça c'est pareil, pourquoi? Parce que ça se marie bien avec la truffe. D'accord. On peut mettre de l'huile de noisette aussi. Mmh. L'huile d'olive, c'est moins. D'accord. Je fais fondre mon sel. D'accord. Et ensuite, tu rajoutes ton huile de noix. Ok. Bon, on peut ajouter de l'huile de truffe aussi dans la vinaigrette. Ah oui, exact. Pour un ça peu existe, pulser. Voilà, pulser un petit peu. Puis si on n'a pas de la truffe, à la limite, ça peut être un bon compromis. Voilà. Parce que bon, le plat quand même, foie gras, Saint-Jacques et truffe. Ah ben moi, à Noël, je vais manger que ça. Hein. C'est un plat assez onéreux, oui, mais bon, c'est un plat de fête. D'accord. Oui, ben, on est sur un plat de fête, mais on peut partir sur une huile de truffe. Tout à fait. Ok. Donc, on la coupe et puis on la met dedans. Donc, ça veut dire que la vinaigrette, on coupe les truffes, on les met dedans et puis après, on n'a plus qu'à dresser. Il n'y a plus qu'à dresser. Super. C'est beau. Hein. Donc, on prend le sel, c'est ça que tu as mis sur le côté, puis on peut le mettre. Voilà, on peut le mettre sur le foie. En tout cas, c'est très beau. Et avec la truffe, la Saint-Jacques, le foie gras, voilà, on est vraiment sur une belle entrée de Noël. On va voir ce que ça donne. C'est bon? Moi, ça me convient. Waouh! Ça va bien ensemble. Ah ouais, c'est top, c'est excellent. C'est fondant, c'est gourmand, c'est raffiné, c'est dingue. C'est trop bien. Ouais, c'est super. C'est vraiment une très, très, très belle entrée. Puis voilà, fête de fin d'année, on se fait plaisir. Voilà, c'est festif. On ne peut pas le faire à tous les moments de l'année. Voilà.
Mais là, tu es sur quelque chose qui... C'est Noël, quoi. C'est merveilleux. Ouais. Pour le plat, tu es parti sur quoi? Parce qu'il y a déjà du niveau, donc j'espère qu'on continue dans le même esprit. Alors, pour le plat, on va faire un riz de veau. Waouh. Un riz de veau aux truffes aussi. Super. Avec une pomme à l'arc.